Aucun film tourné à Bordeaux ne peut être meilleur que celui que je projette sur l'écran noir de ma nuit blanche. Aucun film tourné à Bordeaux ne peut être meilleur que celui que vous regardez maintenant. Répète-moi ce que tu viens de dire. Je vais me présenter, c'est sûr. Ensuite, je vous dirai... Bonjour. S'il vous plaît, restez à l'écoute. À la fin de mon témoignage, vous aurez peut-être l'homme qui ferait tous vos travaux informatiques. D'origine africaine, je suis à Montréal depuis 2005 pour une meilleure vie. J'ai obtenu mon diplôme en gestion des finances informatisées au CDI Collège en 2007 à Montréal. Ensuite, je suis allé à l'Université de Montréal pour faire un bac en informatique. Je suis à Bordeaux, mais je continue toujours à apprendre. Je profite des différents programmes que le centre de détention offre. Je suis inscrit dans le cours de construction que je vais finir la semaine prochaine. À la fin de ce cours, j'obtiendrai la carte de l'ASP. Parce qu'à ma sortie, je désire ajouter un autre diplôme dans mon CV. Nécessairement, j'aurai besoin de la carte de l'ASP pour exercer ce domaine que je vais apprendre dans le futur, ce qui est le réseautique. Branchement, conception, entretien des systèmes informatiques. Cela consiste à travailler dans des gros projets. Peut-être que je vais installer des caméras et un système informatique qui contrôlera bien la ville de Montréal, qu'on arrête de nous frauder. Vous savez, moi, j'aime apprendre. J'ai appris toute ma vie. Je parle 7 langues. La langue de ma mère, qui est Peul, la langue de mon père, qui est Soussou, une langue de la Guinée, qui est Malinké, une langue du Burkina Faso, qui est le Mandin, français, anglais. Je lis, j'écris l'arabe, parce que je suis musulman, je lis bien le Coran, j'écris. Si vous parlez, peut-être je pourrais vous répondre, on ne sait jamais. Fait que même à Bordeaux, moi, je continue à apprendre. Et je continuerai toujours à apprendre, parce que je suis loin de la fin encore. La vie est devant moi. Sinon, j'ai oublié, je serai bientôt père d'une fillette. Mois de mars. Ta fille s'appelle comment? Mariana. Bonjour Mariana. Daddy love you. Même si t'es pas né encore. Bonjour, mon nom est Paul-Émile. Je suis toujours à Bordeaux depuis 1979. J'ai comme jamais sorti d'ici. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait la guerre avec moi. Je n'ai pas fini encore. À 52 ans, je suis venu à Bordeaux tellement assez souvent que je ne me rappelle jamais quand j'ai goûté la vie de l'extérieur. À tous les 6 mois, je reviens en prison pour les mêmes merdes. Je me suis magané la vie assez souvent. Aujourd'hui, je suis comme un film et je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que je vais vivre, mais quand même, je continue à être un soldat.
Et pour être soldat, il faut que tu passes par bien des misères dans la vie. Quand j'ai connu beaucoup de misères dans ma vie, la vie, c'est une misère, il faut que tu la... t'essayes de faire une richesse avec. J'ai appris beaucoup de choses à Bordeaux. J'ai eu des amis. À l'extérieur, j'ai plus d'ennemis que d'autres choses. Si tu viens ici, tu penses à toi. Tu penses à toi. Il faut, c'est une place pour réfléchir. À toutes les fois que je viens ici, j'apprends toujours un petit peu. C'est comme un repos pour moi. Quand je suis sûr à l'extérieur, bien souvent, j'aurais peut-être été 6 pieds sur terre. Alors, il faut pas être déçu de venir en prison. Il ne faut pas avoir honte. Il faut juste améliorer notre cause. Qui veut dire, sois bien dans ta peau, fais ce que tu as à faire. Mais apprends juste à vivre juste pour toi-même, tes enfants, ta mère et le bon Dieu. Car le bon Dieu est très sérieux quand il te regarde vivre bien. Il ne te met pas dans la marde, il essaye de t'aider. Mais prends une Bible une fois par année, une fois par jour, une fois par semaine. Lis-le. Essaye de comprendre quelque chose. Si tu le mets dans ta tête, tu vas peut-être réussir. Merci, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vous souhaite bon réussir dans la vie. Après tant d'années, je suis content d'avoir passé encore à l'émission Sauveur Anonyme. Je suis un vieux de la vieille. J'espère que je ne reviendrai plus. Je ne peux plus courir, je ne peux plus rien faire à cause que je suis un peu mobilité réduite. Alors, vous me connaissez toutes bien, les jeunes. On se reverra un autre jour. Bonne journée, bonne soirée. Moteur, prise 3, Guido, action. C'est un bon micro. C'est un bon micro. Hey, je vais faire la politique. Vous allez voter pour moi, les gars. Libération conditionnelle à tout le monde. Dans la vie, on apprend partout, même en prison. Je suis en prison, puis j'apprends, je prends des cours. Querer dentro del corazón, sin pudor, sin razón. Bonjour, mon nom c'est Guido, je suis latino-américain. Ça fait quand même quelques années là, que j'habite ici au Canada. J'en ai habité quand même dans les côtés ouest du Canada, en Alberta, puis ici au Québec. J'ai une casquette du Québec. J'adore le Québec. Moi, je me sens un néo-québécois d'origine latino-américaine. Mais comme ça fait des années que je suis ici, là, je me sens chez nous. Autant que dans mon cœur, là, il est toujours là mon pays. Puis ça va toujours rester.
j'apporte beaucoup, je trouve, quand même, ben, pas juste moi, là, mais tous les immigrants, là, on apporte beaucoup à cette société ici au Canada, au Québec. Moi, qu'est-ce que j'apporte? Là? Ben, j'ai quand même étudié, j'ai des études en sciences politiques et puis communication, mais ça reste que vous savez que n'importe qui, des fois, peut se trouver à ma place, on peut se trouver une place comme ici, à Bordeaux. Au début, ça a l'air assez négatif, mais par après, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Quand j'ai rentré ici, j'étais prisonnier. Je me sentais prisonnier, c'est vrai. Dans mon passé, j'étais prisonnier de là-dedans. Puis moi-même, là, j'avais pas peut-être trop de confiance en moi. Il me manquait beaucoup des éléments. Puis c'est ici, à Bordeaux, que j'ai gagné tous ces éléments-là. Et avec tous les cours que j'ai pris ici, parce que j'en ai essayé d'en apprendre des cours. Donc j'en ai pris, avec tous ces cours-là, j'en ai pris beaucoup. Comme il y en a des cours de construction, que ça pourrait vous aider pour en gagner votre vie en sortant d'ici. J'en ai pris même les arts plastiques, chose que j'en fais jamais à l'extérieur. J'en ai pris des cours à propos de la tolérance, le respect, l'amitié aussi. Surtout, j'ai appris à me connaître davantage moi-même. Depuis que je suis ici, j'apprécie beaucoup, beaucoup à ma famille, j'apprécie beaucoup même mon travail, que même j'apprécie quand j'ai sorti les vidanges dehors. J'apprécie surtout la vie. Donc, je vais vous dire ici, à Bordeaux, moi, je ne perds pas mon temps. Moi, quand je sors, puis je vais sortir, je vais être plus fort encore mentalement. Puis comme je vous ai déjà dit, je vais apprécier beaucoup plus chaque moment que j'ai vécu. Soit en prison, puis surtout, je vais apprécier la liberté humaine. Quand je vais être libre, puis je vais penser à ces moments que j'ai vécu ici, que j'en ai beaucoup appris. Vive la liberté. La vie, il est devant moi. So